J'ai la manette de Drio. Non mais elle est sérieuse là, elle a aucune chance. Aucune, oui, sauf que là j'en connais une qui est surmotivée pour faire exploser le score. Ouais, les règles sont très simples, tu dois affronter les robots avec le tien. Et... Oui, je connais, chaque victoire te permet de récolter des items et de te faire gagner en XP, ce qui améliore ton méca. Je suis pas une débutante, mais merci quand même. On dirait que tu connais les bases de ce jeu, voyons si c'est suffisant pour me battre. Mais je rêve! Comment quelqu'un peut passer autant de temps devant un écran? C'est clair, n'importe quoi! Et maintenant, je te fais une danse du dragon enchaînée avec une triple fleur de lotus et la fatalité coccinelle! Marinette aux manettes, ça déchire! Wow, j'arrive pas à y croire, elle. Elle a réussi à le battre. Elle l'a battu, tu parles. Elle l'a atomisé. Elle a renversé le roi de son trône. Génial. Je reconnais ma défaite. J'abandonne l'idée de participer au tournoi. Félicitations, Marinette. Bravo, Adrien. Max, attends. C'est bon, tout va bien, j'ai été battu à la loyale, mais là, faut m'excuser. J'ai besoin d'être seul. Bien, Marinette Dupin-Cheng et Adrien Agrest représenteront donc le collège Françoise Dupont au tournoi Ultimate Mecha Strike 3 qui se tiendra au Stade des Princesses. Bon, ben, il va falloir que je passe chez toi pour m'entraîner et avoir ton niveau. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Maintenant, t'as intérêt à gagner. Tu vas représenter notre école. Va falloir penser à autre chose qu'à Adrien. Oh, Adrien. Oh, je vais m'entraîner avec Adrien. Adrien. Si tout ce que tu souhaitais, c'était passer du temps avec lui, il y avait d'autres possibilités. Où est-ce que tu veux en venir? Tu sais à quel point Max voulait participer à ce tournoi. Kim t'a dit que ça faisait un an qu'il s'entraînait. T'as raison. Je pensais qu'à être avec Adrien. Hé, mais il va venir chez moi. Oh, Adrien va entrer dans ma chambre. Oh non, alors là, c'est vraiment la cata. Il faut que je range ma chambre. C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des photos de lui partout. Du calme, Marinette. Tu as le temps. C'est pas comme s'il allait arriver là, dans une minute. Marinette, il y a quelqu'un pour toi. J'arrive. Et que diriez-vous d'une délicieuse quiche saumon épinard? Vous m'en direz des nouvelles. Marinette, ça nous fera pas de mal de prendre une petite pause. Je suis vraiment désolée, mais bon, c'est impossible de faire quoi que ce soit quand mes parents sont là. C'est pas grave. J'ignorais que ton père faisait d'aussi bonnes tartes. Ah, oui. Donc tu veux qu'on y retourne? Ouais, je vais tester ton bracelet. S'il te plaît, dis-moi que c'est une publicité pour le tournoi. Tiens, tiens. Marinette, cette fois, on va voir qui va gagner. Chat noir! Hé, ici! On dirait qu'il en a après toi. Tu lui as effacé son record ou quoi? Oui, mais bon, t'avoueras quand même que c'est pas une raison pour tout casser. Hé, hey, chat noir, attends! J'ai perdu mon ami Adrien au parc. Il faut qu'on y retourne, il est peut-être en danger. Oh, Adrien, non, il va très bien. Il est à l'abri. Tu n'as rien à craindre, alors reste ici. T'inquiète pas, chat noir est là et il s'occupe de tout. Attention, saut en extension et double temps. J'ai l'impression que notre problème vient de passer au niveau supérieur. Exact, le niveau 3. Si tu veux devenir le robot le plus puissant au monde, tu n'as qu'à t'emparer des Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Ensuite, tu pourras vraiment leur dire Game Over. Qu'est-ce que je fais là? Bien joué!